track. Alors maintenant, est-ce que c'est l'anniversaire pour Wendy Warhol qui a commandé à papa du bof. Allez, c'est papa du bof pour Wendy. Attends, je me laisse pour en aller. On y va. C'est quoi énervé, hein. Il va nous couper toutes ses paroles pour toi, Bichette. Non, il n'a pas du corps. Ce qui définit le short comme short ou culasse courte
n'est pas ton système de masse. Selon ta taille, longue, courte, mi-longue, mi-courte, très très courte, et sa forme, droite, trapèze, bouffante, moulante, échancrée, on lui confère divers noms. Caleçon, short, si elle est très très courte. Micro-short, mini-short, gentil urbain, sous chic. Tantôt cuir avec bretelles et aile de ice. Tantôt mini-mini en cuir souple avec lacets, style gothique. Tantôt à paillettes, à fleurs, à rayures, à carreaux. Avec sandales, coquettes et moustaches, la taille, la croche et la matière de son short. Ce qui lui donne sa tenue. Place que la culotte courte est sujette à la prise au vent. Le vent est l'un des atouts majeurs des porteurs de short, puisqu'il offre une bonne ventilation de la zone pubienne en été. Mais il donne parfois mauvaise allure et ne permet pas une bonne stabilisation des muscles de la cuisse. La cuisse. La cuisse a aussi une grande importance dans le port du short. Évitez que la cuisse molle sous short flasque, ce n'est pas le meilleur effet. On lui préfère une cuisse ferme, musclée et sportive. Pour un joli porté de short, une belle allure, il est conseillé de porter une attention particulière aux jambiers et aux fessiers avec des exercices calmes et semi-séchés. Pour cela, debout, pieds parallèles, bras tendus le long du corps, regard droit devant, déchiffrez les jambes en inspirant, levez les bras devant, sans jamais arrondir le dos et en contrôlant la distance. Laissez mûr sont à l'horizontale et expirez en remontant, extension des jambes, contracte à l'aise pour faire du sport. C'est pourquoi nos champions portent le short pour être à l'aise. Comme on dit, voilà, les efforts ont payé l'importance à l'équipe. Personnellement, ouais, évidemment, le coach, le supporter, je suis pour, bien sûr, comme on dit, c'est que du bonheur. Vous avez les valeurs, du potentiel, de la force, de la conviction, impossible, ça n'existe pas, on va le faire, les choses à fond, aller au-delà, et s'imposer, redresser la barre, lutter avec les tripes, se battre contre les espèrent, l'importance du combat, le point fort, la détermination. Et comme on est plus fort, on gagne, champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, c'est merveilleux, vous avez besoin de beaucoup de bonheur, c'est gigantesque, bravo, et en plus vous êtes beaux les mecs, et c'est une belle aventure, c'est du talent, vous allez à 200 et aller au bout, lâchez rien, donnez tout, c'est ça, c'est rien. One dream, one goal, one strive, one goal, one golden glare. Peut-être en polyester, ou en laine, en coton, en soie, à motif, ou uni, imprimé, ou teinté, tissé. Attention à la symbolique des couleurs. Une cravate jaune n'est pas une cravate rose. Rouge, elle est forte, énergie, puissance et passion. Bleu, vérité limpide, violette, fraîcheur et spiritualité. Orange, créative, rose, tendresse et mièvrerie. Blanche, pureté et innocence. Jaune, prêtrise, mais dorée, joie et chaleur, verte, coquine, mais aussi paisible et tranquille. Ce bout de tissu représente la virilité, les attributs, le pouvoir de la puissance masculine et renvoie aux critères de crédibilité professionnelle. Garant des critères de sérieux, de valeur sûre, confiance, fiabilité, persévérance, constance, opiniâtreté, c'est ainsi un signe de distinction sociale. Alors, si t'as pas d'emploi, t'as pas de cravate. La cravate doit correspondre au style de l'entreprise. On ne subit pas la cravate, on en tire un atout pour son image. Cravate style entreprise individuelle, individu style SNC, cravate style SARL, cravate style EURL, cravate style SAS, style S anonyme. On fait un nœud à sa cravate, un nœud sur le devant, soit le nœud est lâche, soit il est serré. Pour cela, plusieurs possibilités. Nœud 5 ou 4 mains, nœud Victoria ou Prince Albert, nœud William Thompson ou Kelvin, ou double Saint inversé, nœud Windsor, ou nœud double demi-Windsor, Saint-André, Plattsburgh, Cavendish, Manchester, serré dans le col de la chemise, celle-ci frotte sur le cou car elle est prévue pour rester à sa place. Je ressens comme une caresse serrée, ou une caresse virée. Attention, ce petit bout ne doit pas tomber ni trop haut ni trop bas.
La pointe doit tout juste effleurer le haut de la ceinture. Et c'est tout. Mais parfois, certains aiment à la porter différemment. Comme dit Florent Alexis au Excel Postin. Je le confesse, j'aime rentrer ma cravate dans mon pantalon. Cela a commencé lorsque j'étais étudiante ou assistante des affaires. Ou Caro, les mains grandes avérées. Sa cravate est coincée à sa droite, mais pour nous qui regardons la photo, elle est à gauche. Est-ce à dire que c'est un appel subliminal pour faire croire que les mesures de droite qu'il prend? C'est donner le meilleur de soi-même sans jamais avoir un retour, c'est être ambitieux, humble. C'est se donner pleinement, entièrement, c'est mettre toute sa puissance. C'est donner l'exemple, c'est notre principe. Je me suis préparée, j'en sais la grandeur, la dureté, je veux le faire en étant digne de votre confiance, en restant fidèle à moi-même, toute ma vie, mes engagements, mes responsabilités, mes réussites, mes épreuves, j'ai toujours suivi la ligne que je m'étais fixée. Je dis, j'en suis là, c'est le fruit de cette obstination, le hasard n'est pour rien, c'est un aboutissement, une fidélité, une ténacité, je ne m'excite pas, je reste moi-même, c'est ma force. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je suis. Je veux conquérir le pouvoir, j'ai fait de l'engagement ma vie entière, j'ai sacrifié beaucoup, j'ai donné, j'ai reçu des coups, je ne veux pas donner l'impression de chercher des soutiens, j'affirme ma mission avec force. Sachez que je me battrai, ma volonté est farouche. C'est ma mission, mon champ d'action, je contrôle la situation, je restaure l'ordre, je montre la voie, je trace la route dans le feu des passions, avec un gouvernement de combat, une équipe resserrée, cohérente et soudée. Je lâche rien, je donne tout, je vais au bout des possibilités, moi aussi ça j'ai rien. On accroche à une cordelette grâce à deux branches. La lunette et des verres, fixée à une armature, soit des verres correcteurs, soit des verres protecteurs, soit des deux. Soit elle corrige un défaut visuel, soit elle protège du soleil. Si elle est protectrice, alors les verres sont teintés. Si elle ne l'est pas, eh bien elle ne protège pas. On classe cette protection par indice. Indice 1, indice 2, indice 3, indice 4. Les indices diffèrent selon leur fonction. Indice 2, 3, 4, voire 5, protecteur. Indice 0, 1 et 2, esthétique. Parfois la lunette protège les yeux, parfois elle laisse l'accessoire. Elle sort du film, de laisser à la plage, comme à la ville. Comme en témoigne les autres. On sent une belle signature. Il a une signature vocale unique. J'ai beaucoup aimé la nuit qu'on a passée. C'est une vraie signature sexuelle, mais parfois l'aventure s'arrête là. Selon leur tendance, les lunettes de soleil sont un outil indispensable dans mes looks. Elles cartonnent avec tout type de style, type casual, en passant par les types plus élégants, là-dessus. Avec sa touche intemporelle, elles sont aussi iconiques, à bien tort. C'est une monture qui reste encore aujourd'hui très très tendance, le soleil. Et Hervé Douce confirme que le gâteau partira avec 100 000 euros. 5 euros, 500 euros, ronde, long, tous les styles sont dans la lunette. Elle en dit beaucoup ça. Si vous êtes cérébral, la lunette de vue soulignera sa tête. Si vous ne l'êtes pas, elle donnera le petit plus. Une base de crédibilité, un gain de fiabilité, un soupçon de sérieux, un lien de résonance, professionnalisante et rassurante. Attention à la forme de votre visage, pas trop ronde, à monture étroite ou angulaire ou géométrique, qui est charme pour un visage rond. Ronde et adoucie, harmonie du visage allongé, carré, grosse ou fine monture, ni ovale ou forme géométrique. J'ai su rester moi-même, j'ai au bout de moi-même, au bout de mes possibilités, je lâche rien, je donne tout, j'ai du bonheur en barre, j'ai l'impression que c'est pas vrai, c'est tellement irréaliste, tellement incroyable, tu crois pas, je comprends plus rien, je suis fier quoi. Alors Sacha commence, super blog de non-vie à son univers que j'adore. Et Aline souligne, son univers est plus en plus toi, j'adore. Moi, c'est mon univers à moi, c'est rafraîchissant, c'est bien.